Mais t'es conne ou quoi? Je t'ai déjà dit plusieurs fois de pas venir comme ça chez moi. Mais tu crains rien, ta copine elle croit que je suis en couple avec Anthony. Bah non, elle y croit pas justement. Oh mais allez, on s'en fout, viens, j'ai envie de toi. Mais vas-y, lâche-moi, j'ai pas envie de casser mon couple à cause de toi, merde. Eh oh, tu calmes ton sexe là, hein? On est là pour se détendre. Ouais, c'est ça, de toute façon, dès que t'as vu Anthony, c'est un producteur, tout de suite tu lui as sauté dessus, alors hein. De toute façon, moi je saute sur tout ce qui bouge, hein. Ah bah je vois ça, hein. Ah, bah tiens, Alice. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Bah elle, tu la connais, c'est Florence, elle est venue voir si Anthony était là. Bah ouais, il répond pas à mes messages, donc je pensais qu'il était avec Aitol. Ouais, c'est ça. Ouais bah vas-y, reste avec ta salope, hein, et moi je me barre. Mais oh, je suis pas une salope, hein. Enfin, peut-être un petit peu quand même, hein. Toi, la salope, elle est dehors, hein. Allez, hop. Bah, oh, tu me téléphones au moins. Ouais, ouais, vas-y, casse-toi. Amène-moi. Bah, allez, les gars. Putain, connasse. Mais j'en peux plus de lui. Mais tu l'as vu en train de te tromper, moi? Mais non, mais la fille, elle était chez nous, là. Et ça, c'est... Tu vas pas me dire que c'est la copine d'Anthony, ça? Tu sais, tu es très jalouse. Tu devrais te calmer un peu et arrêter de m'emmerder à chaque fois. Pourquoi tu le défends, là? T'es sa mère ou la mienne? Mais parce que je l'aime bien. Donc, je voudrais que tu arrêtes de te faire des films. Je me fais pas de films. Donc, tu l'as vu au lit avec elle? Mais non. Tu les as surpris en train de s'embrasser? Non. Alors, il lui caressait la main? Ah non. Mais alors pourquoi tu crois qu'il t'a trompé? Tu sais quoi? Je vais aller le voir et je vais parler avec lui. Non. Ah si, non, si, non. Oh, tais-toi, tu me fatigues. Écoute, il faut que vous arrêtiez de vous disputer à chaque fois. C'est pas de ma faute si ta fille est complètement folle. Elle n'est pas complètement folle. C'est juste qu'elle t'aime. Enfin, elle m'aime. Elle est surtout casse-couille, ouais. J'ai une idée. Tu sais pas ce qu'on va faire? Mm-hmm. On va faire croire que je suis malade, que j'ai eu un malaise à cause de vos histoires. Comme ça, elle va revenir et vous allez pouvoir vous expliquer. Oui, mais tu penses que ça peut fonctionner, ça? Et bien sûr. Il suffit de trouver un médecin. Un médecin? Mais j'en ai un. Le docteur Barrière, c'est un ami de la famille. Vas-y, appelle-le. Ok. Ah, bonjour docteur. Bonjour Aitel. Pourquoi tu m'as fait venir? C'est quoi l'urgence, hein? Elle va bien ta maman? Oui, entrez. Je vais vous expliquer. Hein. Vous êtes? Je suis Jeanne, la maman d'Alice, la copine d'Aitel. Enchantée, chère madame. Hey, ça va, vous n'allez pas draguer à chaque fois que vous venez ici quand même. Alors c'est quoi le problème? Donc je vais vous expliquer. Comme ma fille Alice est fâchée avec Aitel, on s'est mis d'accord tous les deux pour lui faire croire que j'étais malade. Et vous allez dire à ma fille que je suis pas bien à cause d'elle et que donc il faut qu'elle revienne pour qu'ils se réconcilient. Et vous croyez que ça va marcher, ce plan foireux? Bien sûr. Il faut juste être convaincant, c'est tout. Ok. Appelle-la alors. Je l'appelle. Ça sonne. Oui, Alice? Écoute, ta maman est venue, elle a fait un malaise. Mais elle va bien? Bah non, elle va pas bien. Sinon, je t'aurais pas appelé. Mais réfléchis un peu, espèce de conne. Elle arrive. Ok. Elle arrive, elle est chiante. Alors, docteur, qu'est-ce qu'elle a? Ne t'inquiète pas, ta maman est très belle. J'en ai rien à faire qu'elle soit très belle. Qu'est-ce qu'elle a? C'est vrai, qu'est-ce qu'elle a? Mais comment ça? C'est vous le médecin, c'est pas moi, alors dites-le. Je dis quoi déjà? Mais vous avez oublié quoi? Oui, il se passe quoi ici? Rien. Bon, écoute Alice, il n'y a pas d'âge pour mourir. Mais quoi? Elle va mourir? Mais non, elle va pas mourir. Enfin, si, comme tout le monde, mais je sais pas quand. Je le sais ça. Mais ce que je veux savoir, c'est ce qu'elle a. Ben oui, elle a eu un malaise, oui, parce qu'elle n'a pas supporté votre dispute. Elle voulait que vous restiez ensemble, mais comme t'as pas voulu, paf, elle a fait un malaise. Voilà, et puis si jamais on se remet ensemble, là, elle va être bien, hein, elle va être bien. Bah oui, c'est sûr, ta maman est très sensible. Ah, oui. Elle ne supporte pas que vous ne soyez plus ensemble avec Aitel. Ah bah oui. Donc si on se remet ensemble, là, ça ira mieux, alors. Ah oui, c'est sûr. Hein. Je suis tellement contente que tu aies été réconciliée avec Aitel. Mais maman, ça va, t'as rien? Ça va mieux. Ah, bah voilà! Bon, allez,
tous les deux dehors, parce que moi je vais tranquille avec Alice. Hein. Allez, hop. Tu nous vires. Ah oui, oui, tous dehors. Hein. Ah, mais n'oublie pas que c'est grâce à moi que vous êtes retournés ensemble. Hein. Ouais. Si je n'avais pas été là, votre plan foireux serait tombé à l'eau. Comment ça? Quel plan? Non, rien. Ouais, je comprends mieux, hein. Ouais, je comprends mieux, ouais. Allez, viens là, toi, allez. Mais lâche-moi. Tu es, toi. Mais lâche-moi, je te dis. Alice, non, Alice. Alice, tu es, vas-y, pose-toi, je suis une connasse, là, oh. Arrête, Alice. Aïtel? Oui, Jeanne. Aïtel, tu es seule? Non, je suis chez moi, réponds-toi. Ok, alors, tu sais pas, cette fois-ci, on recommence tout, mais avec toi. Ah non, non, ça va pas marcher. Bon, ok. Écoute, Anthony, tu vas appeler Alice et fais-la croire que j'ai fait un malaise. Comme ça, elle va revenir. Hein. Ah bon? Mais tu penses que ça va marcher? Oui, oui, et puis moi, je vais appeler le docteur. Ok, vas-y. Ok. Allô, Alice? Viens vite! Aïtel s'est évanouie! Quoi? Mais il a eu quoi? Mais j'en sais rien, moi! Voilà. Très bien. Bon, maintenant, moi, j'appelle le docteur. Le docteur, qu'est-ce qu'il a? Il est pas bien du tout. Ben ça, je vois qu'il est pas bien du tout, mais qu'est-ce qu'il a? Ben, tu sais, même s'il est jeune, ça ne change rien. Il peut mourir quand même. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais oui, il a fait un malaise. Il était trop triste que tu le quittes. Oh, mon cœur. Je t'ai déjà dit plusieurs fois qu'Aïtel t'aimait. Je confirme. Oui, mais là, je crois qu'il va mourir. Non mais me dites pas ça! Mais arrêtez de raconter n'importe quoi, vous! Ce n'est pas ce qu'on avait convenu! Arrêtez de raconter n'importe quoi! Tu sais quoi, mon cœur? Eh ben, quand il sera remis, on fera tous les trucs que tu veux et même toutes les cochonneries que tu aimes. Des cochonneries, c'est vrai? Je croyais que t'étais censé être évanoui, toi! Non, je vais mieux. C'est ça, bien. Ouais. Mais c'est vous, en fait, là, toujours le même docteur. Mais oui, c'est ça, je comprends mieux, là. Le même docteur, et puis les mêmes histoires de mourir, je sais pas quoi, ouais. Mais moi, j'y suis pour rien, hein. Mais dis-lui que c'est à cause de sa mère, moi, j'y suis pour rien. L'idée de sa mère, mais qu'est-ce que vous racontez, vous? Bon, Anthony, c'est une idée de qui? Idée de qui? L'idée de qui, moi, j'en sais rien, hein. Bon, j'ai un rendez-vous, allez, je... Non, tu restes là. Non, mais je te jure, je peux pas, hein, il faut vraiment que j'y aille. Bon, reste là, et toi, arrête de me faire chier, espèce de connasse. Tu me traites de connasse en plus? Ah mais tu vas voir, toi. Mais lâche-moi, salope. Ah, tiens, voir ce qu'il y a. Mais moi j'y vais, hein. Je vous laisse vous démerder. Vous avez raison. Je vous offre un verre, si vous voulez. Moi aussi j'ai soif. Je vais vous suivre, hein. Et sinon, je peux finir après. Bah oui, mais c'est pas Aïtel, c'est Aïtel, merde, pardon, excuse-moi, je me suis trompé, c'est...